fatigue à chercher du boulot. T'as qu'à réfléchir à autre chose. On pourrait se faire deux, trois petites vieilles avant de rentrer. Maman, putain! Enculé, maman! Voilà alors, Arcule, qu'est-ce qui t'arrive? Eh mais c'est pas bien d'enfoirer sur maman, mon machin et maman. C'est pas grave, on va la... L'enfant, on va te la retrouver, ta mère. Tiens, prends une pluie. Non. Tout à l'heure. Non, non, non. Moi, qu'est-ce qu'on fout? Ouais, moi, je me tire. Ouais, c'est après, à la casse. Bon, bah, moi, j'ai bouffé chez la motte à l'affaire. Elle t'a bêté? Non. Eh, les corbeaux, va leur dire que t'as tiré ta meuf. Au fond, va. Mais va leur dire. Pourquoi on irait pas au Brésil? J'en ai rien à foutre, moi, du Brésil. Puis on cause quoi d'abord là-bas? Portugais. Oh, y'en a marre, forcément tu me causes tout le temps, comment veux-tu que je joue, moi? Ouais. T'en fais une? J'ai un oncle à mon vieux là-bas. Si on le trouve, il nous aidera, c'est sûr. Tu parles. La Silva là-bas, ça pullule. C'est comme les lapins. Tu paries combien qu'on le trouve? T'as jamais ouvert un boîtin, toi? Et comment tu vas faire pour y aller? On essaie comme les couilles à topin, on n'a jamais quitté notre bled sauf pour aller en colo à la Bourboule, et toi tu veux partir au Brésil. Alors les arcandiers, on s'en jette un? Allez, Chic! Allez, Antonio! Tu sais que t'as encore chouré ça, toi? C'est l'heure de la donner. Tu vois pas que c'est le carbu? Ta gueule, branleur, va. T'as tout le temps qu'il me casser les couilles, celui-là, quand je répare une mobilette. T'as trouvé du boulot? Non. Même pas comme la verre de 40? Non, mais tu m'as bien regardé, moi. Et tu pourrais éteindre cette radio quand je bosse. Tu les annonces, maintenant? Tu cherches un Solex? Putain, lave-la l'idée! Y'a quelqu'un? Hé, hey, la motte, sort de ton trou! Salut l'artiste! Ah, salut le môme! Mais qu'est-ce que t'as l'air tout excité? Ouais, là. T'as pas vu Hercule et Bruno? Et Hercule? Ouais! Il a la fête à Nevers. Merde! Non, j'ai pas vu. Dis donc, tu pourrais pas me prêter ta camionnette cette semaine? Pourquoi faire? Je t'expliquerai, c'est pour une petite vieille qu'il faut que je déménage. Bon, on va prendre là. Ouais? Mais à condition que ça rapporte. T'inquiète pas, c'est du béton! Salut! Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de Sainte-Bernadette? Moi, je vais te dire, j'en suis fou amoureux en ce moment. Tiens, la dernière fois en la voyant, ça a été la révélation. Le tilt. Le déclic, quoi. Je l'ai regardée. Elle m'a regardé. On s'est compris. Bruno, explique-lui. Et ben voilà. On va tirer Sainte-Bernadette. On va tirer une morte? Ah, les mecs, vous êtes naze, hein?
Jamais ils penseront que c'est des mecs du coin. Hein, on est vraiment fortiche, hein. Ça se passe trop bien pour que ça continue. Avec ce bruit, reste morte. Ouais, ben ta gueule. Tu peux être sûr qu'ils vont raquer les corpons. On va se faire des couilles en or. Hercule, tu dis rien? Je regarde la route, moi. Doucement, doucement. Voilà. Ben là, on reste à la petite Soubirou. Quand ils ont ouvert la boîte, 30 ans après sa mort, elle était intacte. Les curés disent qu'ils l'ont même pas momifiée. Si on commence à se filer les chocottes avec des trucs comme ça, on... C'est une coquille. Bon, qu'est-ce qu'on fait, on rappelle ? Laisse-leur un jour ou deux de réflexion. C'est ça. On va faire un tour à la Loire ? Attendez, il y a l'enterrement qui va sortir. T'es sûr qu'il n'y a rien dans les journaux ? Eh ouais, ça fait trois fois que tu me le demandes. Hercule, tu viens ? Vive la mariée ! Que merde ! Passé à Lourdes. Je lis un petit passage pour te remonter le moral. Comment ça, vous vous en foutez? Putain, les mecs, il y a un os. Alors, Raymond, vous avez lu le journal? Merde, la chapelle est ouverte. Ne bougez pas, je vais voir. Reculez, maman! Thank you.